Le domicile privé de Nafo Ismaël Gabi ne désemplit pas. Situé au quartier Bordeaux, dans la commune urbaine de Cancan, le guide spirituel de Gelakoulou-Baya continue de recevoir amis et collaborateurs venus lui témoigner leur soutien. Pour lui, il a beaucoup appris en 5 mois de prison que ses 47 ans d'existence. Dole Kassoula Al-Tonyanani. Dolfana Kassoula Al-Sonema. J'ai vu qu'il y a certains détenus qui sont accusés à tort. Il y a d'autres aussi qui méritent d'être là-bas. C'est Dieu qui envoie quelqu'un en prison. Sinon, ce n'est pas un bon endroit. C'est un endroit de souffrance. Mais avec tout ça, c'est un endroit qui donne une leçon. C'est pratiquement une école. J'ai fait 5 mois en prison. Et ce que j'ai appris durant ces 5 mois, je ne l'ai pas appris en 47 ans d'existence. Nga karo lolu menke kasula. Nga hakili men soron. Nga walada men soron kasukono. Nsoron si sambina nourom vla lete. D'ailleurs, même la prison ne fait pas fléchir Nafo Ismaël Gabi dans sa démarche jugée aberrante par plus d'un. À l'en croire, au cours de son séjour carcéral, il a appris le nko à 43 détenus et il priait en manikakan avec 28 d'entre eux. Moduliye kasula, aluye kasula sunyalilema, dole kasula benkaninema, dole kasula awa lanaya tinyelema alni mol nignonte. Il y a des détenus qui sont en prison pour vol, viol, abus de confiance et autres. J'ai compris que tout cela est dû à l'analphabétisme. Je les ai approchés pour les enseigner Nko. Ils ont compris que c'était bon et très facile à comprendre. Je les ai aussi enseigné le Gelakoulou-Baya, la branche de l'islam dont je suis le guide. Ils étaient au nombre de 43 détenus, dont 9 femmes, à apprendre le Nko avec moi. 28 personnes parmi eux ont adhéré au Gelakoulou-Baya, ont prié en malinké. Momoan sein ul keda jere kulubadi ani ul tre salila nkuledo maninga kanido. Nafo a aussi profité de ses 5 mois de détention pour écrire un livre qui sera bientôt dédicacé. Nka kaso korosi nyamema, nka ye nyamema, nka sebeli keuka. Nka kafa utola ko kaso wala wusu mankutu. J'ai fait un constat, je me suis mis à écrire. Le livre que je vais publier bientôt s'intitulera Les caractéristiques de la prison. Je l'ai donné à mes disciples. Ils vont le saisir dans un ordinateur pour que chacun puisse le lire. J'ai beaucoup parlé sur la prison. Les gens auront la chance de le lire bientôt. A rappeler que quelques heures seulement après sa libération, le guide spirituel de Gelakoulou-Baya a dirigé une prière chez lui en compagnie de ses adeptes à Maninkakan. La vidéo avait été relayée sur les réseaux sociaux. Iba ke salila yi salika mena ya famuna ani yi sali iti salika mena utekelingi.